Les habitants du Maroc ont subi un terrible tremblement de terre de magnitude 7, dans la nuit du vendredi 8 au samedi 9 septembre. Le bilan estimé du nombre de victimes est lourd. En effet, selon 20 minutes, 1037 personnes ont trouvé la mort au cours de cette tragédie, tandis qu'on dénombre 672 blessés, ce 9 septembre. Les dégâts sont en outre considérables. Bouleversé par la catastrophe naturelle qui a touché son pays natal, l'humoriste Gad Elmaleh ne compte pas rester sans rien faire. Il projette de se rendre bientôt au Maroc. C'est au cours d'une interview accordée aux Parisiens que le comédien de 52 ans a fait part de sa décision. Il a notamment déclaré à nos confrères « J'ai envie d'aller auprès de ceux qui ont été choqués et éprouvés et de m'asseoir à côté d'eux, comme on réconforte quelqu'un dans le deuil, de tendre la main physiquement à une personne qui est dans la détresse, c'est mon devoir. » Un appel à la solidarité lancé par l'humoriste bouleversé par cette tragédie, ainsi qu'il a déclaré sur son compte X, anciennement Twitter, ce samedi 9 septembre, Gad Elmaleh a effectué un appel aux dons, afin d'encourager les gens à venir en aide au peuple marocain. On va tous être solidaires. Il faut reconstruire, et se reconstruire. Ce sont des dégâts colossaux, inimaginables. J'appelle à la solidarité. Chaque don est important, a-t-il tout d'abord déclaré. Il a ensuite spécifié, il faut vraiment qu'on se mobilise, faciliter l'accès aux routes, aux zones détruites, et les gouvernements, malgré leur générosité, ne pourront pas tout faire. Chaque euro va compter. Gad Elmaleh a ensuite ajouté que lui et sa famille participaient à cet élan de solidarité. Moi, je pleure parce que je suis marocain, mais l'élan des Français me bouleverse. C'est une tragédie humaine, universelle, il n'y a ni religion ni nationalité. On se donne la main, on est frères en humanité, a-t-il également précisé aux Parisiens. Article écrit en collaboration avec 6 médias Crédit Photo, Denis Guignebourg. I just need some